Dans l'éternel combat iOS vs Android, l'un des points majeurs qui revenait tout le temps dans les arguments du côté Android était la capacité de personnalisation des téléphones Android. Alors si on ne pense pas à s'en servir, c'est un petit peu bête de la défendre. Je vais donc vous présenter les meilleures applications pour personnaliser votre téléphone Android en 2019. Hello les gens, c'est le The Luck. J'ai donc le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter mon guide de personnalisation pour votre téléphone Android en 2019. Je suis donc parti à la chasse pour chercher les applications que je jugeais être les meilleures pour personnaliser un téléphone. Parlant de téléphone d'ailleurs, j'ai donc utilisé mon Galaxy S10 Plus pour faire la review, même si j'ai aussi tourné quelques séquences sur mon Galaxy S8 Plus, mais ce sera quand même principalement du S10 Plus dont j'ai d'ailleurs fait une review, donc n'hésitez pas à la check, ça s'affiche dans une fiche qui sera juste là, voilà, donc je vous invite à aller voir ça. Mais bon, ce qu'il faut se dire, c'est surtout que ça marchera pour tout téléphone Android, c'est pas réservé à Samsung, c'est vraiment tout téléphone Android tant qu'il a été récemment mis à jour. C'est sûr que si vous avez un téléphone qui date de 2012 et qui n'a pas été mis à jour depuis, ça risque de pas forcément bien marcher. Mais avec un téléphone qui dispose des dernières versions d'Android, du coup, ça marchera sans souci. Enfin bon, trêve de bavardage, je pense qu'on peut commencer la vidéo, donc écoutez, c'est parti. Première application que je vais donc vous présenter et qui est probablement le must de la personnalisation sur Android, c'est Nova Launcher. Si vous voulez vous faire une idée, c'est un petit peu le cœur de la customisation, ça vous permettra notamment plein de customisations au niveau de votre bureau. Je vous laisse aussi un petit peu explorer les features de votre côté, mais on trouve principalement l'arrangement des icônes à sa guise. Je vous montre tous mes paramètres si vous voulez les reproduire, ils sont juste là. Nova Launcher permet aussi d'avoir un drawer qui est bien plus esthétique, qui permet donc de stocker toutes les applications que vous ne voulez pas montrer sur votre bureau. Deuxième application qui me semble essentielle quand on parle de personnalisation, c'est un Icon Pack, ce qui permet tout simplement de changer la façon dont vos icônes ressortiront et donc d'avoir un écran d'accueil bien plus agréable. Vu que dans cette vidéo j'ai envie de vous montrer un design relativement épuré, j'ai choisi de vous montrer l'Afterglow Pack, qui en plus de ça est gratuit et qui vous donne surtout des icônes d'une couleur pastel d'une beauté juste surprenante à mon goût. Je trouve notamment que ces icônes collent très très bien avec cette idée de style épuré. Petite notice de fin, même si j'imagine que c'est à peu près la même chose pour toutes les autres compagnies, si vous êtes sur Samsung, vous aurez besoin impérativement de Nova Launcher pour pouvoir installer votre pack d'icônes. L'installation est vraiment très très simple, vous avez juste à aller dans l'onglet Apparence de Nova Launcher et puis voilà, le tour est joué. Aussi, si une application n'est pas prise en charge par le Icon Pack, vous pouvez toujours aller dans les paramètres de l'application comme je vous le montre à l'écran et puis changer tout simplement le logo manuellement. On passe donc à la troisième application que je vais vous présenter et c'est Fluid Gestures Navigation, l'application qui vous permettra donc de changer votre barre de navigation en un système de gestures mais très très loin de celui qui est proposé par Google qui est assez mauvais. On retrouve là vraiment un système qui est bien plus joli avec une animation de fluide et ça, c'est vraiment stylé, surtout si vous avez un écran OLED qui vous permet donc de ne pas faire la distinction entre l'écran et les bords. En plus de ça, c'est une très très bonne alternative à la barre de navigation de base, et selon moi c'est très très joli, et surtout que ça colle très bien avec notre thème qu'on s'est fixé pour cette vidéo. Attention quand même avec cette application, puisque l'installation peut prendre un petit peu plus de temps, ou être un petit peu plus coriace selon la marque de votre téléphone. Quatrième application, assez basique quand on parle de personnalisation, mais j'ai quand même essayé de vous dénicher une application sympathique, et celle que je vais vous présenter est Minimalist Wallpapers, qui va donc vous permettre d'avoir des fonds d'écran extrêmement clean et minimaliste pour votre téléphone. Vu que comme je l'ai dit, j'ai envie de vous présenter un thème assez clean et épuré pour personnaliser votre téléphone, l'application propose une multitude de fonds d'écran d'un style très épuré. Et j'en ai trouvé un qui selon moi collait très bien avec le thème de la vidéo, je l'ai trouvé dans la catégorie nature pour les intéressés. Prochaine app dont on parlera c'est PowerShade qui permettra notamment une barre de notification bien changée pour un design beaucoup plus clean et plus coloré si vous le souhaitez. Personnellement je vais garder le design de One UI sur mon S10 Plus mais par contre pour certains téléphones ça peut être très intéressant, je l'ai notamment mis sur mon S8 et je trouve que ça rend très très bien. Sixième application déjà et c'est Tesla Unread, elle vient surtout se poser en complément à Nova Launcher et permet d'afficher des petites bulles au-dessus de vos applications pour indiquer le nombre de notifications. Comme je l'ai dit c'est plus complémentaire mais ça vous permet de personnaliser ces bulles à votre guise. Encore une fois vous avez sous les yeux les paramètres que j'ai choisi pour mes notifications si vous voulez vous en inspirer. Tout de suite on passe à la septième application et c'est Chroma Keyboard. Comme le nom l'indique elle vous permet donc de modifier votre clavier et donc de passer à une toute nouvelle expérience de saisie de texte. En termes de personnalisation on peut alors changer la couleur du clavier, la disposition, etc. Et pour customiser un téléphone Android c'est donc bien mieux surtout quand on veut revenir sur notre thème épuré et coloré, c'est juste parfait pour ça. En plus de ça, le clavier a bien un look épuré et sans superflu, donc c'est parfait. Et enfin, on passe à la dernière application qui est probablement l'une de mes préférées, et c'est MuViz. Désolé si j'ai mal prononcé le nom, je sais pas exactement comment ça se prononce. Pour tous les amateurs de musique, vous allez juste adorer cette application, puisque celle-ci affiche une petite barre musicale au niveau de votre barre de navigation dès que vous écoutez de la musique. C'est juste magique et ça colle vraiment bien avec le thème encore une fois, donc vraiment une des masterpieces de la vidéo, c'est pour ça que j'ai voulu terminer la vidéo sur ça, un peu à la manière d'une cerise sur un gâteau. En plus de ça, l'application est vraiment simple d'installation et vous permet surtout d'avoir plein d'effets différents gratuitement. Bref les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère, comme toujours, qu'elle vous aura plu autant qu'elle m'a plu à réaliser.
En tout cas, j'espère avoir réussi mon objectif de rendre votre téléphone plus beau pour cette année 2019, voilà. Et en attendant, moi les gens, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et à le mettre en bas, évidemment. Si la vidéo ne vous a pas plu, ça va de soi. Et si vous voulez m'aider encore un petit peu plus, vous pouvez partager la vidéo à vos amis ou à des gens qui seraient susceptibles d'être intéressés. Ou même, si vous avez un petit peu plus de 2 minutes, m'écrire un petit commentaire constructif sur lequel vous me dites des pistes éventuelles d'amélioration pour mes vidéos. Ça m'aiderait vraiment énormément et c'est probablement ce qui m'aide le plus d'ailleurs. Libre à vous aussi de vous abonner à cette chaîne YouTube ou à mes réseaux sociaux, tous les liens sont en description de la vidéo, voilà. Et puis moi je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Fast où je couvrirai toutes les actualités du monde de la tech. Et d'ici là les gens, je vous souhaite de très bien vous porter. Ciao.